Bonjour à tous, bienvenue hein, dans le cours d'algorithme. Aujourd'hui, on va faire la séance 2. Je m'appelle Tou Amdi, étudiant en master 2, ingénierie logicielle, promotion 3 de l'IVS. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube pour m'aider à développer la chaîne. C'est ça. Un clic, cliquez juste sur abonner quoi. C'est ça. C'est le réglage de Nyan quoi. Abonnez à ma chaîne YouTube et aussi d'aimer les vidéos quoi. Et nous quoi défend. Je les remercie beaucoup quoi. Et je le suis vraiment reconnaissant. Le dernier coup, on s'était arrêté sur sur l'objet. On a terminé la notion d'objet avec le premier cours. Maintenant le deuxième cours. On va attaquer ce qu'on appelle l'affectation. Maintenant, par exemple, l'affectation, c'est une notion en algorithme très très simple. Il faut que j'ouvre un document Word. Affectation. Bon. C'est bon. On avait appris un objet. Et qu'est-ce que ça veut dire un objet? Parce que on avait appris qu'un objet, comment représenter un objet en algorithme. Il faut que l'objet ait un identificateur. Identificateur. Il faut que l'objet ait un identificateur. Mais aussi, il faut que l'objet ait une valeur. Il faut que l'objet ait un type aussi. Ferme la porte, toi. Maintenant, on avait vu tout cela. Et on a aussi vu que par rapport à sa valeur, un objet Par rapport à sa valeur, un objet peut être... être de genre peut avoir un genre variable par rapport à sa valeur. Un objet peut être une variable ou une constante. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, la séance 1, il faut aller revoir la séance 1 d'abord pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire sur la séance 2. Parce que vous comprendre la séance 1, la séance 2 pour comprendre que d'autres cas. Parce que la notion est dans la séance 1, même une seconde pour avancer dans la séance 2 du cours algorithme. Et voilà. Maintenant, on sait quelles sont les caractéristiques pour représenter une variable, mais maintenant, comment déclarer une variable? C'est-à-dire, en algorithme,
les objets qu'on va utiliser, les objets qu'on va utiliser dans notre algorithme, on les déclare d'abord. On les déclare d'abord et puis ensuite les utiliser dans le corps de notre algorithme. Présent, je vais montrer un exemple. Prenons l'exemple de l'addition de deux nombres. Exemple 2, 2 plus 8. 2 plus 8. Donc, on va faire l'addition. On va réaliser une tâche qui consiste à faire l'addition de deux nombres, 2 plus 8. Mais cette opération, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On veut confier cette tâche à un ordinateur. Et quand on confie une tâche à l'ordinateur, il faut toujours. Ça, on dit qu'on a un problème à résoudre. Et pour résoudre ce problème, il faut toujours ramener le problème du particulier au général. C'est-à-dire, là, on a une addition 2 plus 8. Mais il faut ramener ça du particulier au général. C'est-à-dire, il faut trouver la méthode générale. Qu'on peut tirer de cette addition. C'est-à-dire, on a deux nombres et et l'opération et le signe plus. Maintenant, ça, cette écriture, on peut l'écrire en utilisant, par exemple, deux lettres X plus. X plus Y. Ça veut dire la même chose que X plus Y. X plus Y, c'est la même chose parce que là, avec X est égal à 2. Et Y est égal à 8. C'est comme ça on confie une tâche à un ordinateur. C'est-à-dire, quand on confie une tâche à l'ordinateur, on a un problème à résoudre. Maintenant, ce problème à résoudre, il faut l'écrire dans son contexte général. C'est-à-dire, ce problème en général, ça porte sur un cas particulier. Maintenant, il faut trouver le cas général de ce problème. Écrire le problème dans son cas général. Et maintenant, c'est à partir de son cas général qu'on résout le problème. Comme par exemple ici, notre problème c'est faire l'addition entre 2 et 8. Maintenant, ce problème c'est un cas particulier et on l'a ramené dans son cas général qui consiste à et on l'a annoté comme étant. On l'a écrit, comment dirais-je, ce problème, on l'a énoncé d'une autre manière en utilisant les lettres X et Y et le signe plus qui revient. Maintenant, X est égal à 2, Y est égal à 8. Et ça, c'est l'écriture générale de ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, cet exemple, ça consiste à faire l'addition entre 2 et 8. Mais je pourrais choisir un autre exemple. Par exemple, dire qu'on a l'addition maintenant, c'est 9 plus 3.